Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine de janvier, du 1er au 15 janvier plus exactement. Je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2023. J'espère qu'elle vous sera favorable et que vous pourrez y réaliser tous vos rêves et vos souhaits. Alors, cette première quinzaine de janvier, comment commence ce 1er janvier pour vous et cette première quinzaine? Déjà, nous avons la princesse d'épée qui est le valet d'épée. Donc, on est peut-être sur quelque chose qui est en train d'émerger comme un nouveau projet. Ici, j'ai quelqu'un qui prend de la hauteur pour pouvoir visualiser finalement un but à atteindre. Donc, ça peut être en effet une nouvelle idée concernant n'importe quel domaine, hein. On peut être sur un projet personnel comme professionnel, etc. Donc, on est ici sur une énergie de nouveau projet qui est en train d'émerger. Mais j'ai quelqu'un qui finalement regarde un petit peu au loin pour visualiser un but. On vous dit finalement, pour vous les Sagittaires, pour ce début d'année, de rester focus sur un projet, de rester vraiment de vraiment rester focalisé sur ce projet-là que vous avez envie de mettre en place. Alors, nous avons quoi au dos? Nous avons ici le diable. Le diable qui était à l'envers. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses que vous désirez. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place en ce début du mois de janvier, mais que c'est un petit peu compliqué. Ça n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que on vous invite à rester focalisé sur, comment dirais-je, sur votre but pour ne pas vous laisser déstabiliser par alors ça peut être par des personnes négatives, mais par surtout vos pensées, j'entends, hein. Ne restez pas sous l'emprise de vos pensées. La carte du diable peut symboliser aussi l'ambition. Donc justement, vous avez éventuellement l'ambition de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors ça peut être pour un couple, mais ça peut être pour vous tout simplement aussi. Et on vous dit, bah justement, n'hésitez pas à être ambitieux, mais attention, j'ai un peu l'impression ici qu'on vous demande aussi de modérer, de tempérer aussi certaines choses par rapport à ça. Ouais, ne vous laissez pas avoir par votre mental aussi, hein. Il y a des choses que vous avez peut-être envie, que vous désirez mettre en place, mais que vous n'osez pas faire. Et on vous dit, bah, il est temps de faire un choix et de faire une transition. J'ai quand même beaucoup, beaucoup d'épées chez vous, hein, ici en dos de deck. Pourtant, on vous dit ici que vous avez la possibilité de structurer, d'être plus aligné à vous-même. Mais justement, il va peut-être être question aussi de choisir les bonnes choses, les choses qui vous conviennent le plus, hein. Avec le diable, ne vous laissez pas tenter par des choses qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont pas justes pour vous. Alors voyons voir le tarot des fées. Ben, le tarot des fées, nous avons quand même le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent, éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc ici, vraiment, tout vous sourit. Parce que justement, j'ai l'impression que vous avez traversé des moments pas toujours très simples, mais vous restez un petit peu sur vos gardes, vous restez vigilant. J'ai l'impression que vous marchez sur des œufs, vous faites un pas après l'autre pour vraiment savoir où vous allez. Parce que vous n'avez pas envie de retomber dans certains travers.
Et donc ici, on a quand même le soleil dans vos énergies principales, les Sagittaires. Donc c'est un début d'année, une première quinzaine de janvier qui commence de façon très favorable pour vous parce qu'on vous dit que finalement le soleil brille, tout vous réussit, vous avez de bonnes idées et que vous avez des idées aussi qui vont vous rapporter des éloges ou des récompenses, une augmentation professionnelle, des compliments de votre hiérarchie. En tout cas, ça amène vraiment du positif dans votre vie. Hein. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner? C'est génial, nous avons le phénix, c'est rien que ça. Renaissance et puissance. Le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus forte ou fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Donc ici, tout simplement, au mois de janvier, vous renaissez de vos cendres. Vous partez sur une nouvelle énergie, sur une renaissance. Alors c'est marrant parce que j'ai fait votre guidance du tout le mois de janvier, votre guidance mensuelle juste avant, et on était déjà sur cette énergie de renouveau en plus. Alors voyons voir sur le plan professionnel. Professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons le chevalier d'épée. Alors, en effet, le chevalier d'épée, ça peut représenter le fait de se mettre en action par rapport à un nouveau projet. Hein. C'est marrant parce qu'on a le valet d'épée où finalement on est focus sur un nouveau projet qui est un petit peu loin encore, mais on quitte finalement. Alors, il est possible en effet hein, qu'on était sur la fin 2022 par des idées qui émergent, justement. Hein, de nouvelles idées, on a un but, on le visualise, etc. Mais en ce début janvier, on est un petit peu plus focus sur le fait de le mettre en pratique, hein, tout clairement. On se lance dans quelque chose. Hein. On parle en effet hein, de changement et de progression rapide avec le chevalier d'épée. On me parle de courage. C'est quelqu'un qui est courageux aussi. Donc vous allez faire preuve de courage et vous allez vous lancer dans quelque chose visiblement qui vous correspond. Alors voyons voir. Bon, ici, il est peut-être question de nouvelles opportunités, peut-être d'un nouveau contrat, d'une nouvelle activité, d'une période de chance aussi. J'ai encore cette carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté. Donc vous vous lancez vraiment dans quelque chose de nouveau ici. C'est un peu que grâce à ce chevalier d'épée, peu importe les obstacles, vous allez les franchir sans aucun problème. Avec la cigogne, on est sur une évolution très favorable. On a un déménagement ici pour certains. Le chevalier d'épée, ça peut... surtout ici, la cigogne et la maison, on peut être en effet sur un nouveau lieu de travail ou un nouveau lieu de vie. Et finalement, on met fin à des obstacles. Hein. Ici, quelque chose de plus aligné à vous. Hein. On vous dit d'avoir confiance. On me dit aussi que si certaines choses ont été bloquées, ça va prendre fin ici. Le chevalier d'épée, il demande un petit peu de courage pour aller au-delà des obstacles, pour ne pas se focaliser sur les obstacles et pour garder confiance. Ça peut être quelque chose qui est retardé aussi. Hein. Ça peut être une maison, un lieu, un déménagement qui a mis longtemps à arriver. Hein. Ça a été dur, ça a été lourd. Il y a eu beaucoup de poids sur les épaules. Mais là, avec la carte de l'opportunité, de la chance, on passe au-delà des obstacles. Donc ça veut dire que pour moi, s'il y a eu des obstacles et des retards, c'est en train de prendre fin dans vos énergies. Il peut être question aussi d'une grossesse pour certains, hein, l'arrivée peut-être d'un nouvel enfant dans la famille. On peut être aussi sur une cérémonie, hein, pour fêter peut-être l'arrivée d'un enfant ou un baptême éventuellement. On peut être aussi sur la signature pour un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu professionnel. J'écoute, hein. En tout cas, on parle de confiance. On parle vraiment d'avoir confiance et d'être courageux pour affronter ou pour... Enfin, pour moi, c'est comme si vous aviez fini d'affronter, que là, désormais, les obstacles commencent à s'estomper et à s'apaiser. J'ai bien envie de remettre une sur ces deux-là, là, sur le mont et la croix. Alors.
Ouais, ici j'ai force et solution hein, en dos de deck. Hein. J'ai une solution ici qui est trouvée en dos de deck. Il peut être question aussi de quelque chose qui est peut-être retardé par rapport à un poids financier, mais j'ai l'impression qu'avec en plus la solution en dos de deck, la clé, c'est que vous allez trouver des solutions financières peut-être par rapport à quelque chose. Il y a une réussite. Hein. Pour moi, financière et matérielle, il y a une réussite. Il y a des solutions qui vont être trouvées sur le plan financier, sur le plan matériel. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui est à son compte, qui y a peut-être eu des blocages au niveau de votre clientèle, etc. Mais là, il y a quelque chose. Il y a la clé qui vient débloquer finalement ces obstacles et retrouver beaucoup plus de stabilité. Hein. Sur le plan relationnel, eh bien, nous avons l'étoile. L'étoile va nous indiquer l'espoir, va nous indiquer aussi quelque part une sorte de réussite, une connexion aussi. L'étoile, c'est avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, d'être guidé, d'être aidé, j'entends. L'étoile, ça peut symboliser aussi un bonheur à venir pour moi, hein, c'est ce que je ressens ici, hein. Alors en effet, ici j'ai la carte des chemins, donc on est bien sur une transition, sur quelque chose qui est positif parce que j'ai la carte du bouquet qui symbolise le bonheur. J'ai la stabilité ici avec l'ancre. Ici j'ai le bateau. Le bateau et les chemins, on est bien clairement aussi peut-être sur un déménagement qui va jouer d'ailleurs dans le relationnel. Hein, ici ça apaise les tensions qu'il y avait peut-être dans le relationnel et on part sur une énergie beaucoup plus stable. Il est éventuellement question peut-être d'un certain stress parce qu'il est peut-être question de faire un déplacement pour aller voir quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être nouveau dans votre vie. En tout cas, on me parle d'être conseillé peut-être aussi. On me parle de transition. On me dit que vous allez peut-être aussi avoir un cadeau de la part de quelqu'un. On me parle de stabilité, hein, tout simplement aussi avec la carte de l'ancre. Hein. Il y a des petits bonheurs, il y a de la stabilité qui réside aussi éventuellement dans les petites choses du quotidien. On me dit hein, que vous êtes protégé. La carte de l'étoile, c'est aussi la protection ici pour moi. Et vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Donc ici, avec la carte du fouet, on n'a pas à angoisser, on n'a pas à stresser. Ça peut être un retour aussi sur le plan relationnel à une connexion avec l'autre, hein, un retour à la sexualité, un retour à la connexion. Il y a une stabilité pour un couple aussi qui se remet en place ici. Il y a vraiment beaucoup d'apaisement, hein. Je ressens de l'apaisement pour vous dans les différents domaines. On parle de bonnes nouvelles ici concernant peut-être quelqu'un de votre entourage. Peut-être vous êtes-vous fait du souci pour quelqu'un de votre entourage et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ok. Vie intérieure et spirituelle, nous avons bah, le monde, rien que ça. Il y a un énorme changement qui arrive à vous, intérieurement aussi. Il y a un aboutissement, un épanouissement. On ressent un bonheur intérieur ici au mois de janvier. Le monde s'offre à vous. Il y a vraiment une clarté d'esprit, j'entends aussi. Et c'est marrant parce que j'ai l'enfant intérieur. C'est comme si finalement, il y avait des choses qui se mettent en place dans votre quotidien et qui amènent aussi à écouter votre enfant intérieur. Mais ça peut être aussi le fait d'écouter intérieurement votre enfant intérieur que le monde autour de vous change. C'est-à-dire que pour un enfant, regardez comment les enfants voient le monde. Ils ne se préoccupent de rien. Ils font les choses parce qu'ils ont envie de les faire. Ils écoutent davantage leur cœur. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire finalement. Votre enfant intérieur a besoin de vous guider, j'entends. De vous guider. Et c'est d'ailleurs grâce à votre enfant intérieur que le monde pourra changer autour de vous parce que plus vous écouterez votre enfant intérieur, plus vous écouterez moins vos problèmes d'adulte, et bien plus justement les choses devront s'améliorer et avancer. Alors le monde, c'est vraiment ouais, la carte, une des plus belles cartes du tarot, hein. On est vraiment sur un aboutissement, sur une réussite, sur le triomphe, sur des choses qui sont vraiment très positives pour vous, hein. Donc,
Et pour cela, en effet, c'est laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Donc, il y a deux choses. C'est soit votre enfant intérieur, vous l'écoutez et ça impacte votre monde extérieur, soit justement, vous faites des actions dans le monde extérieur qui finalement vous permettent de mieux entendre votre enfant intérieur. Voilà les amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite une très belle quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup.